Eh bien, salut tout le monde, c'est DashK78. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 10 donc des Jeux Olympiques de Londres 2012. Et on approche de la fin, donc on va découvrir, comme de coutume, les épreuves du jour. Alors, on a beaucoup d'épreuves aquatiques, donc 50 mètres nage libre femme, 100 mètres brasse homme, dos, tremplin, 400 mètres homme. Ça, j'ai jamais fait, on pourrait tenter, tiens. On va tenter le 400 mètres et on va tenter le rameur. Allez. Le rameur, par contre, je vais être obligé de regarder le tutoriel parce que je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout les touches. Alors, quelles sont les touches pour cette épreuve? Allez, tant qu'on y est. À vos marques. Prêt. Maintenez 1 pour commencer à ramer. Maintenez L2 et R2. Relâchez pour ramener les rames. Maintenez. Ah oui, ça a l'air assez accessible. D'accord. Appuyez deux fois et maintenez. Ah oui, d'accord. Ça va un peu bousiller sa jauge. Avant chaque mouvement, attendez que les rames soient complètement en arrière pour un maximum de vitesse. Ouais. D'accord. Ok, bon, on va essayer, on verra bien. Luc Fournier, et on est que 6, ah ouais, c'est pas beaucoup. Ok, bon, on va tenter notre chance en espérant se qualifier brillamment. On est où? On est au milieu. Ah oui, mais ils partent à la vitesse de la lumière, les cocos. J'aimerais bien remonter un peu. Je suis extrêmement loin. Second place for Switzerland and they have a real chance of catching the leader here. Third place is a good effort. Non, bon, ça va être mort, je pense. France in sixth place. We're moving towards the midway point in this race and it really is starting to shape up. Non, je suis très loin, j'ai pas très bien compris, à vrai dire. Australia, the leader and very much in charge of this race. Looking good in second, it's Switzerland. Seems to be struggling here, and that means it's not going to be as the best performance. Allez. This is a fighting display. Australia lead the way. Second place and looking good here, Hungary. Can Switzerland find some extra effort here? They're in third place, and now there's still a chance of catching the two who lead. Ouais. Bon, on va être éliminé, tant pis. C'est la première fois que je le fais en même temps. Tant pis. Bon bah ça c'est fait, on va passer à la suivante. Ouais, j'arrive avec oh là, 37 secondes de retard sur le cinquième, 1 minute de retard sur le premier. Bon bah voilà, on va essayer de se qualifier pour le 400 mètres, essayer de sauver ce qui peut encore l'être. C'est vrai que je suis un peu dégoûté parce que c'est une épreuve que j'avais jamais faite. Bon, j'ai tenté ma chance, j'ai perdu. Pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai, le jeu, ça fait 2 mois. Bon, j'y ai pas joué 2 mois, hein. J'y ai joué
très peu de temps parce que j'ai déjà eu des problèmes pour le recevoir, j'ai eu des problèmes, enfin j'ai eu des problèmes, je suis parti en vacances, donc du coup ouais, j'ai pas beaucoup joué. Alors le 400 mètres, Jean-Pierre Lenne comme d'habitude. On va essayer de gérer. Si ça avait été en vrai, j'aurais été éliminé, mais là je crois que non. Tout est bon. Ah oui, c'est vrai, on peut un peu dépasser la jauge, c'est une jauge de sprint en fait. Il vaut mieux la garder pour la fin. Ouais, il vaut mieux la garder un peu pour la fin. Bon, je vais essayer de les rattraper un peu quand même. Je suis cinquième, il va falloir faire quelque chose. Allez! Non. Je crois qu'on est éliminé des deux compétitions, malheureusement. C'est pas une épreuve que je fais souvent, le 400 mètres non plus. Eh oui, bah c'est. Combien de temps la vidéo? 6 minutes, on va continuer. Bon bah voilà, ça n'aura pas été concluant cette journée. On est éliminé des deux. Donc on va enchaîner sur le jour 11, de toute façon. Ouais, on va enchaîner sur le jour, sur les jours 10 et 11. On va faire le triple saut et le 110 mètres haies. Je sais que c'est des épreuves que vous préférez peut-être à la natation, donc on va enchaîner là-dessus. Le triple saut, c'est quand même un peu plus... c'est une épreuve que j'ai un peu plus pratiquée, on va dire, dans le jeu. En 400 mètres, j'en faisais jamais. Et le... je sais plus ce que c'était... Bon, l'épreuve que j'ai fait avant, j'ai pu... j'ai pas trop pratiqué non plus. Allez, Isaac. Ah non, j'ai... La planche est vraiment mauvaise, c'est dommage. Bon, c'est que le premier saut, hein, vous inquiétez pas. Allez. Ouais, c'est mieux. La planche est mauvaise, mais c'est mieux quand même. On passe premier. Allez, on va essayer de battre un record du monde. Non. La planche est toujours mauvaise. On va regarder le classement un petit peu. Ah, Taylor Jones est passé devant nous. Pour l'instant, on est qualifié, donc pas de soucis. Allez, Isaac. Voilà, la vitesse, c'est pas trop mal. Non. Voilà, la planche n'est pas encore bonne. Je fais exactement le même saut, c'est ça qui est marrant. Et on est toujours deuxième, mais il faut faire attention. Il faudra faire un saut à 17,50, 17,60 même. Non, j'ai mordu. Ouais. On est toujours second. On devrait se qualifier normalement. Et si on pouvait marquer le coup et se qualifier en tant que premier, ce serait mieux. Voilà, encore une planche catastrophique. Mais on fait notre meilleur saut, 17,62. Et on se qualifie à la première place. Très juste, très très juste cette première place, 3 cm de plus que Taylor Jones. Mais en tout cas, on se qualifie et on va passer tout de suite au 110 mètres haies en espérant avoir la même réussite.
Je vais juste me renseigner sur les commandes parce que je m'en souviens plus. Alors. Bon, je sais que pour courir c'est toujours le même, mais par contre. Alors, commande. Sauter. D'accord, sauter. Oui, ok. Ok, ok, bon, ça va. Reprendre. Jean-Pierre Lenne encore. Il est partout, décidément. C'est peut-être pour ça qu'il réussit pas à se qualifier dans certaines épreuves. Set. Excellent départ. Ah oui, c'est tout bueno pour l'instant. Et on va se qualifier largement premier. Et avec un record. Un record, non? Record du monde? Alors attendez, j'ai pas très bien vu. Si, record du monde. Magnifique. En demi-finale. En tout cas, en qualification. Et voilà, 12,81. J'ai pris un départ. Enfin, Jean-Pierre Lenne a pris un départ extraordinaire. On va peut-être revoir le ralenti. Il a pris un départ fabuleux. Bon, là, il est encore tout à sa joie. Allez, on va revoir le ralenti. Record du monde pour Jean-Pierre Lenne. Il se rattrape de son 400 mètres raté. Regardez le départ. Je crois qu'il a pris un excellent départ. Ouais, il a surgi largement avant. Et il était devant sur toute la course. Il n'y a pas à dire. Il y a quand même une classe d'écart entre les deux. Entre les deux premiers en tout cas. Le chinois qui arrive largement derrière. Et donc on va essayer de devenir. Et on a beaucoup d'espoir de devenir champion olympique de ces deux épreuves, à savoir le triple saut et le 110 mètres haies. Et on va passer tout de suite à la finale du triple saut. En essayant de se rattraper du jour numéro 10 qui a été tout simplement horrible. Ah, il y a des jours comme ça où ça marche pas. Et on compte sur Isaac Vieira pour nous rapporter une médaille de plus. Une médaille d'or si possible. Non. Déjà la planche est mauvaise. Et le deuxième saut n'a pas été bon. Enfin le deuxième appui. Regardez. 1, 2. Non, le deuxième je veux dire. Ah ouais, on est très très loin des leaders. Très très loin des leaders, on va essayer de se rattraper. Allez Isaac, allez Isaac, allez Isaac. Ah oui. Ah oui, ça, je crois qu'il a pas mordu. Oh, la planche est excellentissime. Et on fait 17,88. Je bats mon record personnel et on doit passer directement à la première place. Voilà, on a une petite marge d'erreur. On est déjà médaillable, largement. Ah, j'ai un peu dépassé la vitesse. Non, c'est pas un bon saut. Ah, 17,82 quand même. Et à une lettre près, le Polonais était un joueur de foot célèbre. Bon bref, si vous le retrouvez, bon, je suis sûr que vous le retrouverez. Allez. Allez Isaac. Alors que notre sauteur est un joueur de foot français bien connu. Ouf. Oh, il s'est écrasé comme une crêpe. La planche est mauvaise. Non. Oh, 17,99, il a craqué lui. Ah non, on est loin. On est très très loin. Dommage parce que c'est un beau saut quand même, mais... Ah ouais, on est troisième. Ah, 1 cm pour Adebayor. Allez. Ah, le dernier mauvais. Ah là là, Isaac, t'as merdé.
Ah, la planche est bonne pourtant, c'est dommage. Et ouais, non. Mais on termine troisième, c'est déjà pas si mal. Bon, on termine à 2 cm de la première, enfin de la deuxième place. Enfin, 1 ou 2 cm, ça dépend. Bon, ça reste une belle performance quand même, on est troisième, c'est bon à prendre. Un Polonais est deuxième, c'est marrant ça. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, les... le Français et le Polonais. C'est des frères jumeaux même. Même coiffure, même tête. Ouais, on va peut-être pas écouter God Save the Queen jusqu'au bout. Oh là 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 là. On a un point de retard sur, sur la Grande-Bretagne et une médaille d'or en plus. On va essayer de confirmer tout ça sur le 110 mètres haies. Mais on va essayer d'arracher une médaille d'or. Enfin, vu le départ canon qu'a fait Jean-Pierre Lenne lors des... même le temps canon qu'il a fait lors des demi-finales, on va essayer en finale de faire la même chose. Bon, peut-être pas d'égaler le record du monde, mais c'est terminé premier. Est-ce qu'il y a encore... Oh, il y a Daniel Edwards. Donc il faut absolument terminer devant lui. Il est juste à côté de nous en plus. Ouais, encore un excellent départ. Ah non! Oui, on est premier! Oh, si j'avais pas pris, je crois que si je prenais pas le, la haie. Si je manquais pas une haie, je pense que je battais le record. Bon, tant pis. Le principal est là, on termine premier. Je crois que le. Je crois que le Britannique s'est mangé une haie aussi. Il s'est mangé celle d'après. Ah, j'ai encore pris un excellent départ. Voilà, je crois qu'il s'est mangé celle d'après, voilà, c'est ça. Le Britannique en a raté une également, c'est pour ça que j'ai gagné si facilement. Et il termine troisième. Donc classement des médailles, on est bueno. On va passer la Marseillaise, je suis désolé. Le Chinois termine deuxième. Ah, il est balèze hein, quand même le Britannique. Il est un petit peu grassouillé. Hein. Et voilà, on repasse devant la Grande-Bretagne et la Chine n'est pas loin derrière. Les États-Unis sont où encore? Oula, ouais, d'accord. Ils sont combien? 12e. Bon, bah là, on termine le jour. Alors, je sais pas. Ouais, on termine le jour numéro 11 et on va passer au jour numéro 12 dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis. À bientôt pour le 12e jour. Allez, ciao tout le monde.